constituaient ensemble institution politique qui, depuis plusieurs années, a défendu une seule bataille, puisque même Jean-Auteur a dit, la politique c'est la cohérence et la moralité. Donc je dis, hein, et en prélude de 7 février 2023, 7 février qui sont date extrêmement importante dans l'histoire du pays d'Haïti, surtout dans la dernière génération. Ça. Le mouvement politique ça a rencontré la presse jeudi dans une situation très spéciale, côté que le pays n'a pas de président depuis tantôt 18 à 19 mois, et que tout le monde dans le pays a connu ensemble entité politique, ça a été dit. Et bien, puisque le pays a trouvé dans un imbroglio juridique, dans une approche juridique, c'est le retour à la Constitution de 1987 qui va faciliter l'arrivée d'un juge de la Cour de cassation à la tête de la présidence provisoire qui va assister des gouvernements d'entente nationale et qui va permettre que nous poser des actions rapides pour réaliser les mises. Je tiens à vous regarder qui ça 7 février signifie dans l'histoire et politique haïtienne. Puisque date ça, l'été commencé avec une bataille, puisque l'été bâille naissance avec plusieurs dirigeants de toute colonie, il y a plusieurs journalistes, de citoyens engagés, qui victimes, qui assassinés, qui exilés, qui expropriés, pour y être capable de jouer une date 7 février, qui c'est une date démocratique en Haïti. Je dis à, après plus passé 18 mois, nous constatons que le pays président, tout groupe qui malhonnête, mettez-vous d'accord, c'est accord pour faire dans toute constitution. Donc nous-mêmes, devant l'histoire, devant le monde, eh bien, nous présentons devant la presse, je dis là, en prélude de 7 février, pour nous capables de dire à tout groupe ça, à tout secteur de la vie nationale, nous, au courant, j'ai tout au courant, que ces petits communes politiques qu'en fait, même Janoué, c'est le premier ministre de facto qui a installé le conseil de facto de transition. Je dis à tout le monde qui a la tête d'État, je trouve c'est de facto. Nous-mêmes, nous venons présenter devant la presse. Nous parlons de bataille ensemble, journalistes. Monde qui mourit pour bataille ça, pour bataille démocratique là. Monde qui mourit pour une société démocratique, côté que valeur démocratique qu'on est capable de vendre. Eh bien, nous parlons de cracher sous monde sale, sous mémoire monde sale qui mourit. Et ça fait la presse pour constater ou ensemble d'organisations qui sont à blanc et qui sont là qui parlent, par exemple, CRI National, INIBAS, Coalition pour sauver la commune, un paquet de regroupements politiques qui sont dans la société qui dit voulez fort que vous signalez ça. Ben, le monde entier pour nous dire clairement en ce 7 février 2023, population haïtienne, qu'on les voit avec l'entité politique ça, qui est dans le pays et qui est dans la diaspora, pour nous dire avec le monde entier que nous voulons, que nous parlons, transition qui parle cette là, la fête selon l'article 149 de la Constitution de 1987, qui était la seule volonté populaire depuis 1987. Et nous parlons fini pour nous partir à la population haïtienne. À partir du 7 février, arrivé jusqu'à 29 mars, nous déclarons période de mobilisation citoyenne pour l'application de la Constitution de 1987. Ça va permettre que nous ayons une solution à la crise de façon totale, puisque la Constitution a une provision de la situation de la crise. Merci, la presse. Devise, martyr, n'a demandé que les haïtiens, à travers tout côté de sortir, si on même
pour qu'on problème pas dans la rue, mais devant la caillou, c'est une démonstration. Demain, nous-mêmes qui n'avons pas l'entreprise, nous pouvons lâcher en masse. Il y a une pile organisation qui va assembler en masse. Il y a une pile organisation qui va assembler notre chambre devant l'ambassade de France. Une ambassade impérialiste qui contribue, qui met Haïti dans sa vie. Il y a des gens qui vont assembler devant eux. Kafou la ou pou, ki ou li kafou resistans, gen moun kap asemble la. De Saint-Jean Bosco, ki chon vi, gen moun kap asemble, pou ki ou al mache, pou yo di non. Non pou ke, yo kidnappe 3 moun nan an peyi an, 3 moun moun li, 3 san moun li, fòk Ariel li kite pouvwa. La polis, 7 à 8 mois, population an, te soti an foul la. T'as dit à pas kidnapping. T'as dit 300 boulets, il faut qu'il y ait des pouvoirs. La police t'a tué en pile dans nous. Si tu as géré sur base 47 jours. En pile l'autre militant, la police tué et arrivé. Je vous dis, la police, pour ces 5 bandits, et ça fait nous mal, le fait qu'il y a tué nous, on s'est tué nous pas pile par maquette. Et je pense qu'il faut que nous ouais la raison. Faut que nous c'est parce que nous avons un chef CSPN qui va différent de bandits. Nous avons un chef CSPN qui est un criminel. À chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, les pibons pour lui, la fait plus dans son pouvoir. D'après vous-même, Léa a parlé d'élection. Ariel connaît l'élection. Ariel connaît pas qu'à faire l'élection dans le pays. Ariel connaît son criminel lié à la population par point dans lui-même. Est-ce qu'on va accepter? Un criminel, un monde qui a eu à mort, ou à la balle de Marie Mangebou, bah quoi, c'était ça. Donc, si nous ne pouvons pas aller à l'élection du pays, nous déjà connaissons qui peut être à la pays, c'est une raison, nous disons toute organisation qui est présente dans sa conférence, même sous palais là, nous pensons que c'est le voir. Je dis, il faut action nous conseil. Nous ne pouvons pas croiser le galon qui est payé à l'aller à la dérive, Jean Bralia. Nous ne pouvons pas croiser le galon. Pour que nous quittions quelques criminels à passer le pays à nos jouets. Faut que nous fassions un corps, faut que nous fassions un complot. Monde qui est en Haïti, monde qui est dans la diaspora, nous pensons qu'il faut que nous fassions une chaîne de solidarité pour nous dire non, Ariel doit quitter le pouvoir. Ariel, son criminel, il n'est pas qu'à diriger nous. En ce qui concerne l'installation, toi, mort, tu vas nous mettre dans le ministère de commerce. Est-ce que vous pensez que ça a eu un bagage? T'as dit Madame Maniga, soit ils sont pour l'offre ou bien ils sont pour l'équipe d'attaque. Imaginez, j'en ai acheté 4 millions, Madame Maniga. Je vous dis, il a accepté à une commission PHTK pour le desservir PHTK. Donc c'est vraiment triste. Donc Madame Maniga, il n'est pas différent des pires militants de collection nation. C'est même bagaille, le carapicéen, ou même bagaille. C'est pour nous qui oublions le passé. Donc nous-mêmes qui là, nous pas oublions le passé, nous avons conjugué le passé, présent et futur. Futur, c'est lorsque nous tous nous mettons ensemble. Jean Céris Kazoutia, à partir des frontières, nous déclarer mobilisation manche longue jusqu'à ce que nous retirions le pouvoir dans une équipe criminelle qui a réellement été bien. Merci. Qui est avec nous? Non, les gars, conférence de presse, pour que nous disions bonjour. Et nous saluons toute organisation, représentant organisation et parti politique, et qui présent ce panel-là. Jean Céliska a dit 7 février, qui a demain, c'est un jour spécial. Constitution 1987, là, depuis le jour même, la Constitution ça a pris naissance, il n'y a pas de gens qui joignent une équipe gouvernementale, pas de gens qui ont dirigeant, soit Premier ministre, président, pas de gens qui tentent de mettre la navigation. Au lieu de faire ça, c'est chercher, il y a chercher pour voir comment ils sont capables de gérer la Constitution ça pour ne pas exister encore. C'est avec grand étonnement, les Rand Maniga, c'est un monde qui a participé
dans élaboré la Constitution 1987. Je dis, à, soit que nous sommes prophètes, ou bien nous sommes tatades, ou bien pas comprendre dans qui ça vient. Si nous ne comprenons dans qui ça vient, l'a changé, il n'était pas trippé dans rédiger la Constitution 1987 là, je dis, à, il n'a pas accepté pour qu'il y ait desservi un gouvernement, un premier ministre criminel, un premier ministre bluffeur, un premier ministre corrompu. Donc c'est ça que je dis, soit lié à ta ou bien bluffeur. Je dis à que nous-mêmes, nous parlé de notre cri national. Cri national qui fait partie par même ça, qui a parlé des constitutions de l'Union de l'Union là. Intervention dans la plus chita sur l'action que nous avons déposé. Je dis à nous quoi discours nous fait déjà. Il y a un pitch à parler qui est déjà fait. Accord sur accord, et tout accord ça a eu des accords. Et dans le jour passé, nous avons un pile de monde qui a des problèmes même avec la justice. Nous avons eu un chute dans le modèle. Il a planifié conseil de gouvernement, conseil d'État, collège présidentiel. Et Mounsayo qui se fait tentative ça, il n'est pas jamais capable présent dans une manifestation de population en Yafé. Parce que si vous avez une manifestation, vous connaissez qui ça fait la tapée. Et tandis que il a fait complot sur nos peuples. Nous-mêmes, dans le cri national, comme nous toujours disons, dans chaque intervention que nous faisons avec la presse, nous toujours disons, Chita parlé, oui, Marie pour ça, mais il faut action y opposer. Il faut nous garder l'autre nation. En pile pays ça yo, lorsque vous avez des dirigeants criminels, voleurs, assassins, qui ont dirigé, ils ont fait un bloc. Je fais un complot que vous courez derrière le gouvernement Sahel. Communauté internationale qui baille Ariel Henry Job, qui a pile pays, qui a pile pays en Afrique et dans l'autre continent, yo pas capable de prendre pied là. Je dis à communauté internationale là, libre Haïti comme cible et c'est un ennemi pays allié. Côté qui va bien avancer. D'après nous-mêmes, États-Unis, Canada, si on te voulait aider les pays pour que nous sortions en bas de problème de sécurité, on va la faire. Si on te voulait la faire, côté de la parler là, il y a sur tout ça qu'on a fait. Il y a connaître qui côté tout le monde. Ce n'est pas un projet, ça n'a pas intéressé. C'est supporter un groupe assassin, un groupe corrompu, un groupe volé à craser les pays. Nous-mêmes, nous disons que nous devons poser. Demain, qui 7 février, nous croyons que la population est en train de sortir pour nous faire une réponse. Et là, nous parlons de la population, nous félicitons mon Jacques Mel, mon Tibois, mon Grand Bois, mon Miragois, mon Oka, Jérémy. Au cap, nord-est, nord, la Tibonite, la centrale, parce que 8 derniers mois sont passés, Pep Sayo dit non, yo pas vle criminel dirigé. Yo dit non, yo pas vle pays noir, son pays qui a dirigé par kidnapper. Là, nous parlons de dirigeants de kidnapper. Bon, c'est nous tous, nous d'accord, gouvernement qui a rien dans le pays, qui est un kidnapper qui fait une année. Dans la tête du ministère de l'Intérieur. Qui est-ce qui fait une année dans la tête?